Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc je reprends la partie de Serikai. Par contre je vais régler aussi les volumes parce que j'ai le PC qui a un tout petit peu déconné. Donc j'ai dû faire la musique. Voilà, on va mettre juste en fond. J'ai dû en fait relancer tout le PC quoi, donc bref. Donc on reprend. Donc Serikai m'a dit t'es en guerre contre la Tunisie. Je sais plus ce qu'on avait prévu de faire, ce qu'il m'avait dit. Ouais, je crois qu'on veut gober la Tunisie parce que ouais, la Tunisie est alliée avec l'Ottoman. On va filer du territoire à... Ah non, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore le truc à la con. Vas-y, on a des gros bulles, on va tout défoncer. Ensuite, ils me disent on a des rebelles. Après, ouais, comme je disais, on va dégager du fort. Donc genre ça, de fort, on le dégage. Celui-là, on le dégage. Celui-là, on peut le garder. Celui-là ne nous sert absolument à rien. Donc on dégage aussi. Les Pyrénées, un tout petit peu ultime, donc on garde. Celui-là, Burgos, on pourrait le dégager. On a les prétendants qu'on popait. Mes armées sont où? J'en ai 14 000 qui font le siège ici. Ok. J'en ai 14 000 qui sont là-bas. Ouais, ok. 12 000 qui sont ici. Ah ouais, qui vont siéger cette merde. 8 000 qui sont ok là-bas. Et 8 000 qui sont ici. Ici, on a quoi? Putain, j'ai que 7 navires de transport. 7 navires de transport, ça, 8 heavy ships. Un Cagliari. Il y a 6 galères, j'ai un navire lourd. Théoriquement, je peux le défoncer avec ça. On va plutôt aller là-bas en premier lieu. Hop. Alors, le son déconne peut-être parce que j'ai dû faire des réglages audio, donc bon, bref. Ah oui, c'est vrai qu'on est protestant, je crois que c'est ça l'histoire. Ah oui, et on a la Mancha qui est réformée. Donc on, ils vont se tirer la bourre entre eux deux, donc ça, il faut qu'on le reconvertisse. Ouais, d'accord, on a le temps de voir venir. Ok, ensuite, où est-ce que ça risque de péter les rebelles? 90%. Galambambo, Kwado, Bragan, Tarza. Ok, donc eux, c'est là-bas qu'il y a les 14. Eux, mission, on va leur dire... C'est où chassement les rebelles? Les rebelles. Bah. Colonie, force and march. Force and march, attaque notice, burn colonie, c'est ce colonie. Bah il est où le... Bah merde, il n'y avait pas un ordre pour dire chasse-moi les rebelles? Donc on s'en fout quand ils vont popper, là. Ok. Donc on va retourner là-bas, on va aider à faire le siège. C'est quoi ces 8 là? Ben, c'est navires lourds, ils vont aller là-bas. On rassemble tout, ok. Faisais le contre-rang, ok. Je peux te prendre tes verdes. Pas grave le prétendant, prends le siège un peu. Le siège de Tunis est terminé, ça c'est une putain de bonne nouvelle. Donc avec ces 14 000 hommes, on va aller défoncer les Tunisiens là-bas. 200 peu plus... Ouais, c'est bien. Ouais, il y a tout le monde dans une peau... Ah. Là, il y a une putain de coalition de l'espace. Là, ça pue. On les a défoncés, c'est que maintenant j'ai oublié ce détail-là. C'est que quand je suis en joueur simple, j'ai un PC qui va un tout petit peu vite. Donc lui, on va aller là-bas. Il demande de l'aide, ouais, on va les aider. On les a défoncés. On va laisser... Ah putain, le siège de Mzab est terminé. En boucle et Wagdou. Ouh là là, ouais, il y a du monde là-bas. On va les attendre à Golam. On va récoller, l'armée est arrivée à Galam, ok. On rassemble tout, on va les envoyer là-bas. Ouais. Séparatiste, ouais. C'est vrai que les sons sont peut-être sourds, mais je crois que vous, dans l'enregistrement audio, le son est bon. Moi, il est à chier, mais pour vous, il est bon. Là, on va laisser tout ce qui est... Hop, on prend tout ça, on va défoncer là-bas. Il s'occupe de Gadames, on s'en fout, c'est les territoires de merde. Voilà.
Hop. Et cette armée, on la remet là-bas. Ok. Le siège de Djerba est terminé. Djerba, je crois que c'est ça. Voilà, c'est à peu près ce que je pensais. Voyons, donc Tunis, on l'a défoncé. Par contre, ce qu'on voulait, comme on disait avec Sirikai, Tunis, est-ce que je peux faire appel avec lui? Ouais, il faudrait que je prenne. Non, ça, on va lui laisser. Où est-ce qu'il a des forts? Tunis, Kef. Et Djerba. Ok, donc Tunis, on va lui demander. Djerba. Tunis, ça, ça. Est-ce qu'il serait prêt? Ça, il veut pas. Par contre, se demander ça, ça, ça. Et ça. Il veut pas non plus. Bon, on va continuer de prendre les provinces tranquillement. Hein. Donc là, on a repris. Ici, on est en train de siéger. Ok. Les 12 000 là. On va à la Bizerte, histoire de défoncer sa flotte. L'Espagne occupe Bambouk, ça c'est une bonne nouvelle. On va aller là-bas avec cette armée-là. Le siège de Mzab est terminé. Ok, bonne nouvelle. On va aller à Togourte. L'armée est arrivée à Galama, on rassemble tout. Les partisans, ici on rassemble tout. On met comme ça. Ouagadougou, hop, on rapatrie ça là-bas. On engageait. Ok. On les engageait là-bas, c'est bon. Wall of Tagant, conseil de Venise, l'armée est arrivée à Galam. Merde, j'ai oublié de regarder ça. Galam, donc c'est là-bas, nous disions. On rassemble tout le monde, on fusionne. Un tout petit peu le bordel là. Si on faisait. Tac. Non, là. Ah ouais, un peu l'overextension. Ouais, bon, on va augmenter la stabilité. Des estates à Sicile. Quand je fais une recherche sur Sicile, alors je sais où c'est quand même la Sicile. Donc Sicile, ici, hop, on fait un estate. Ensuite, nous disons Gascogne et Valence. Gascogne, Valence, je crois, je pense que c'est là, voilà. Ensuite, Catalogne, 47. L'Aragon. L'Aragon, c'est là. Tous. Ah, c'est mon domaine hein, là-bas. Tous, c'est par là. Non, c'est par là. Central Morocco, 33. Ouais, ça, on verra après. Ok. On n'a pas les masses de thunes là. Ouais, mais on s'en fout. On fera ça après la guerre. Eux, on refusionne. L'armée est arrivée à Bizerte, ouais. On occupe Togourte. Ok, on va aller là-bas. Tunis occupe Tripoli. C'est bien. Prends les territoires tout pourris. Ok, donc lui, si on lui dit donne-moi ces territoires-là, il accepterait. Mais si Tunis, on lui disait donne-moi ça, ça, ça et ça. Ah, il voudrait bien là. Et si on lui prenait, on va lui dire. On va dire ça, tu refourgues à Naples. Ça, tu refourgues à Naples. Tunis. On va le refourguer. On va le fourguer tout ça à Naples. Ça, on file à Naples. Et Tunis, tu donnes donc ça, ça, ça. Ça marcherait pas comme ça? On le reprend pour moi alors. Hop. Et ça. Négocie, tac, 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 et tac. Elle accepte, et Godames. Non, par contre, je prendrais bien Odna à ce moment-là. Non, il veut pas. Tunis, c'est pas content. France, Ottoman, Mamelouk et tout. Ouais. On obtient ça de Tunis. Imzab, 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 on va faire, on va lui dire de la moitié thune. More reparation, transfert trade power. Et voilà. Ok. Ok, donc celui-là de fort, on va le garder.
Drylands, alors que lui, on va plutôt. Lui, on va le dégager. Ok. Hop. Ça veut se rebeller un peu partout. Non, ça, on va l'envoyer là-bas. Là, on va mettre mon gros bill. Hop. Non, ça, on va l'envoyer. Il va où, lui? Il va à Malaga. Bon, on va l'envoyer à Grenade. Allez, vas-y. Prends la flotte. Malaga assiégé. Là, c'est territoire de merde. On augmente l'autonomie. Ouais, ce qu'on disait avec Sirikai, c'est qu'ils n'ont pas encore les idées qui font que les coûts de Korinkos sont plus chers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On prend ça, on a le temps, je viens de percuter là. Il a quoi comme Legend Turmoil? Anduin, voilà. Religion Unity, au fait, laisse 90%. Putain, je crois que ça, on se fait baiser comme on a 230 de réformation. Écrouer un corps, ok. Navi est à la flotte est arrivée, ok. La maintenance de non, l'armée, on verra après. Par contre, là, le fort, on le mossball, lui, on mossball, lui, on mossball. Celui-là, honnêtement, je vous dirais. On va même pas s'emmerder, je ne sais même pas pourquoi on garde ça. Lui. Non, lui, on va pas le mausoler. Lui, on va le mausoler par contre. Voilà, lui, on va le mausoler. Et voilà. On a pris un prêt, ben voyons. Est-ce qu'on peut rembourser d'autres prêts? Ah, bah oui, bien sûr, si on va mettre sur la gueule de la France, on y va. Et là, hop, tac, 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 déclarant, non, Portax. Moins 12, oh putain. Où est-ce qu'il part, mon fric? Non, non, maintenance. 10 dans la maintenance des forts, ouais, mais bon. Après, je vous dirais honnêtement, ce fort-là, toujours pas besoin. Celui-là, pas besoin. Celui-là, pas besoin. Là-bas, qu'est-ce qu'on a des séparatistes marocains? Ouais, on va augmenter un peu. On peut augmenter en autonomie. Putain, ouais, ils sont pas contents, mais bon, j'y peux rien, moi. Dès qu'on va voir courir un peu, ça ira mieux. Ça ira mieux, les gens. Vous inquiétez pas. Vous avez envie de me péter la gueule. C'est normal, c'est le début. Voilà, là on augmente, ça nous fusille notre économie temporairement, mais ça, on va rapatrier là-bas. Non, là-bas pour l'instant. La flotte. Hop, un peu à bord du navire. Toi, tu vas pas te cacher. Tu vas me débarquer les troupes là-bas, putain de merde. Hop, toi, on va t'apatrier à Cadiz. Voilà. Ici, on va décider la province. La France occupe le Limousin, ouais, l'Espagne occupe Séville. Voilà. On rapatrie. Ah non. La France occupe le Quercy, ok.
Donc c'est une guerre que l'autre a déclenchée. Ah oui, non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, amuse-toi, prends, siège mes provinces. La France occupe le Périgord, vas-y, fais-toi plaise. Une Armagnac convertie à réformer, ouais. Bien, cette histoire d'être bien dans le bordel, on se tape un centre de conversion quand il faut pas. De faire des estates, où est-ce que ça peut péter? Des séparatistes marocains. Ah putain, mais comment on peut avoir. Oh là 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 là, comment on peut avoir autant d'over. De. Les Marocains, ils peuvent popper où? Denma, Tabda. Denna, Tabda. Peuvent popper là. 5, 5, 3, 15. Bon, ils vont popper à Sousse. Et là, ici, c'est du quoi? Séparatiste portugais. Non, mais oh! Séparatiste. Portugueras. Portugais, 50%, ouais. Donc ça, c'est la flotte. Eux, on va aller les débarquer là-bas. Ici. On va s'arrêter là. Voilà. Oh! Voilà, les natifs ont popé. Hasard, ils ont popé où? Pas du tout où je les attendais. Donc on va aller les défoncer à Meknès. On va aller lâcher à Garbe. On va les défoncer à Salé. Ok. Là, on rassemble tout, on dégage. Là, il y a combien de tout ça? On rapatrie, on va les claquer des cubes. On veut même pas les claquer. Si, on va les siéger Narbonne. À bande orientale, ils ont popé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-bas? Ok, et nous avons ensuite Atlemcen. Figig et Tlemcen. Tlemcen et Figig. Ben, on s'en fout, Tlemcen, on a dit. Et. Figig. Tlemcen, combien de DE? 13. Bon, on va aller à Tlemcen. Ouais. Murcia. Ouais. On popait à Lisbonne et Porto. Ouais. Ça, c'est bien. Ils ont décidé d'aller là-bas. Ici, ce qu'on va faire, l'Espagne occupe Salé. Ce qui est chiant, c'est que les séparatistes de l'Emsen. Bon, ils veulent pas. Ils vont tout péter, mais je pense qu'ils péteront tout après. Hop, hop, putain, en fait, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a ces cons qui pop, Inés de Suarez et tout. Ouais, conquistador. Général. Je crois que j'en ai déjà trop de généraux, on va regarder ça vite fait. Où est-ce que c'est marqué le nombre de. Où est-ce que c'est? C'est là-dedans? Ah, 3 sur 3, non. On va la prendre en concert parce que de toute façon. Roselon. Le Roussillon, ça. France occupe le Quercy. Ok, donc combien ils vont popper là-bas? On vérifie ça. Tlemcen, les séparatistes. 24 000, non mais. Ouais, la balle outil à siège. Ok, alors, nouvelle idée.
Exploration navale force limite, non. On s'en branle. Ah oui, mais si, je croyais que. Non, peut-être se pencher sur le militaire plutôt. Et le militaire avec ma chance légendaire, on va se taper les rebelles. Au... Non, je vais attendre que ça pop et on fera ça après. Donc voilà, mais sur ce, on va arrêter l'épisode là. Je vous dis donc bye bye les gens et à demain pour la suite de la série. Mais ciao tout le monde!